Bonjour à tous. Soisen, c'est ton karma. Ces termes font désormais partie du langage courant. Mais si l'on demande, par exemple, à ceux qui l'utilisent, la signification du mot karma, on s'aperçoit que la plupart des personnes qui l'emploient ne savent pas le définir. Alors, quelle est sa signification? Quelles sont ses implications? Possède-t-il forcément des connotations négatives, voire catastrophiques? Roland Reich, Moine Zen, va répondre à ces questions dans cette émission qui est consacrée, vous l'aurez compris, bien sûr, au karma. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été l'un des plus proches disciples de Maître Deshimaru, c'est lui qui vous a ordonné moine en 74. Vous êtes l'un de ses héritiers spirituels, vous êtes l'un des principaux responsables de la ZEDI, l'association Zen internationale en France, et vous êtes actuellement responsable du dojo de Nice, et vous enseignez également un peu partout en France et en Europe. Alors, peut-être la première chose serait de définir ce que l'on entend par karma. Oui, alors le karma, du point de vue du bouddhisme, c'est essentiellement l'action, mais l'action qui n'est pas limitée à l'action du corps, c'est l'action de l'esprit aussi, c'est-à-dire par exemple les intentions, les délibérations, c'est aussi la parole. Et en plus de ça, c'est une action qui est délibérée, donc qui est orientée par une intention, et qui va avoir des effets. Alors généralement, on englobe dans la notion de karma aussi les effets, mais normalement, il faut distinguer l'action elle-même de ses fruits, qui sont les effets du karma. Alors en fait, quand on emploie le mot karma, c'est pour exprimer la relation de causalité entre l'action et ses effets. La notion de karma implique cette notion de causalité, mais c'est une causalité d'ordre moral. La notion de karma implique fondamentalement la notion de responsabilité et la notion de cause à effet, c'est-à-dire que nous sommes les auteurs de notre vie, nous sommes les responsables de notre vie. Notre vie est ce que nous en avons fait. Alors, donc c'est une notion extrêmement positive. S'il n'y avait pas de liberté, il n'y aurait pas de karma du point de vue bouddhiste. Oui, mais en même temps, vous parlez de liberté alors qu'on a l'impression que ce que l'on vit actuellement est complètement conditionné donc par nos actions passées et que ce que l'on est et sera dans le futur est également en partie conditionné par ce que l'on a été. Alors où est la liberté dans tout ça? Je crois que là, il faut bien comprendre que les effets du karma ne déterminent pas nos actions présentes. Les effets du karma déterminent le type de renaissance et de situation dans laquelle on va se trouver dans cette vie-ci. On peut dire que les effets du karma sont un petit peu les cartes que nous avons à notre naissance. Le jeu de cartes, donc, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, les acquis positifs et négatifs, qui nous sont donnés à notre naissance. Mais ensuite, la manière dont on va faire avec cet ensemble de conditions dans lesquelles nous sommes nés, eh bien ça, c'est notre responsabilité et notre liberté. Donc nous avons la possibilité de prendre conscience de ce dont nous sommes les héritiers, mais de le transformer. Et plus on sera conscient, plus on aura la possibilité d'agir sur la situation qui était la nôtre à l'origine et de la transformer. Donc, par rapport à cette notion de karma, vivre l'instant présent est quelque chose de fondamental. C'est vraiment dans l'instant présent et en étant parfaitement conscient et lucide de l'enjeu de ce qui est en train de se passer pour moi et dans ma relation avec mon environnement, ici et maintenant, je peux infléchir mon action et donc infléchir les effets de mon karma passé. Donc, à partir de quand on peut dire qu'on est conscient des choses? Eh bien, j'aurais envie de dire, un petit peu pour reprendre l'image biblique, à partir du moment où il y a une conscience du bien et du mal, une conscience de la valeur des actes. Un petit peu comme, bon, il y avait l'état d'innocence dans le jardin d'Éden, et puis l'homme a mangé du fruit de la connaissance, du bien et du mal. À partir de ce moment-là, ces actes ont eu des conséquences et des effets éthiques, et du point de vue bouddhiste, donc des effets karmiques. Alors, tout à l'heure, vous avez défini le karma comme l'action qui provoque des effets, donc des conséquences. Est-ce qu'à une action correspond un effet ou est-ce qu'à une action peut correspondre plusieurs effets et sont-ils immédiats au niveau de leur actualisation? Je pense que généralement, une action produit un effet, mais cet effet va être plus ou moins durable en fonction de l'importance de l'acte. Et puis, l'effet ne va pas forcément être immédiat. Il y a des effets qui sont immédiats, mais il y a des fois, on emploie souvent dans le bouddhisme, on a beaucoup d'images agronomiques, et le karma est souvent considéré comme une graine qui va tomber en terre, qui va mûrir, donner un fruit, et ce fruit va être l'effet de ce karma. Des fois, ça met du temps. Et ça peut, justement, c'est à cause du fait que le karma met du temps à mûrir, parfois, que pour récolter les effets d'une action présente, il faudra renaître
dans une autre vie ou dans d'autres vies encore. Mais donc c'est complètement indissociable. Karma et renaissance, on ne peut pas les dissocier. Oui, tout à fait. Nous renaissons parce que nous avons à recueillir le fruit de notre karma passé. Et en même temps, cette renaissance-ci est l'occasion, non pas de subir d'une façon fataliste des conséquences de nos actions passées, mais de, partant de là, d'en prendre conscience et de les transformer. Par exemple, si moi j'ai rencontré un jour la pratique du zen, j'ai rencontré Maître Deshimaru, je me suis mis à pratiquer zazen, ça va être les effets de mon karma passé. Mais ce n'est pas un mauvais karma, moi j'en suis très heureux. Bah oui, a priori, oui. Si nous sommes ici maintenant en train de parler du karma ensemble, moi j'en suis très heureux et je pense que c'est une bonne chose. Donc les effets du karma ne sont pas nécessairement négatifs. Mais à un moment donné, ces effets peuvent nous conduire même jusque sur la voie. Et d'ailleurs souvent, et ça c'est une chose à laquelle on ne pense pas suffisamment, c'est souvent un karma très négatif qui va nous avoir mis dans des situations de souffrance intense, qui vont nous faire remettre en question le train-train de notre vie, nos conditionnements ordinaires, et vont nous faire penser, mais c'est pas possible, il faut que ça change. Une révolution intérieure est nécessaire. Ça va donner la et puce. Des fois, le pire devient le meilleur. C'est pas pour autant qu'il faut cultiver les actions négatives, mais des fois, quelqu'un qui serait toujours en train d'agir très prudemment, en suivant la morale, l'éthique, etc., avec une manière un peu peureuse des mauvaises conséquences, etc., pourrait avoir une bonne conscience qui ne lui permettrait pas de se remettre en question, et donc de changer radicalement son point de vue à partir du karma. Oui, donc c'est pas forcément négatif, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très négatif et que la situation est difficile. Le karma, ce qui est important dans le karma, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'il n'y a rien de gratuit dans notre vie, donc nous sommes vraiment libres et responsables de ce que nous faisons, et qu'à partir de là, nous avons une capacité de transformation. Et ce qui est important dans le karma, c'est cet optimisme fondamental de se dire ce qui m'arrive est justifié, mais à partir de là, je peux en apprendre quelque chose si je réfléchis. Et je peux donc transformer, infléchir ma vie à partir de là. Alors, zazen participe beaucoup à cette transformation. Bien sûr, oui. On dit souvent que, enfin dans les textes, que zazen permet de transformer notre karma, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, deux choses, principalement. D'abord, dans la pratique de zazen, dans l'état d'observation de soi-même, face au mur dans laquelle on est, quand on pratique zazen, on peut voir défiler notre vie, nos actions passées et présentes, et nos désirs, nos pensées, et donc tout ce qui sont les graines de notre karma, ou les effets de notre karma passé. On peut les observer, en prendre conscience. Et cette prise de conscience-là va déjà avoir un effet de transformation par purification, par la compréhension que l'on en a. Et puis, deuxièmement, la pratique de zazen est une pratique dans laquelle on ne produit pas de nouveau karma dans le moment même où on fait zazen. C'est-à-dire que dans le moment où on fait zazen, le corps est dans une posture juste, n'est dans aucune action particulière, donc ne déclenche pas de karma par l'action. On est silencieux, donc le karma de la parole est coupé, et des fois il est bon de le couper, ce karma de la parole. Et puis, dans la pensée, il n'y a pas de pensée volontaire et consciente. Il n'y a pas de pensée intentionnelle. En zazen, même l'intention de réaliser l'éveil, d'obtenir le satori, est abandonnée. C'est-à-dire que l'état d'esprit fondamental de zazen est d'abandonner toute intention. Et dans cet état-là, il y a une liberté totale, et on peut dire une remise à zéro des compteurs de notre karma. Et donc, ça fait du bien, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a la possibilité de se rendre compte que tout peut être remis en question à chaque instant. Il y a une possibilité de remise à zéro, aussi en prenant conscience de la vacuité, finalement, de ce qui est l'auteur du karma, c'est-à-dire de cette illusion de notre ego, à laquelle, tant qu'on est attaché, on va avoir tendance à développer de plus en plus de karma, c'est-à-dire d'actions volontaires, avec l'avidité d'en recueillir les fruits qui provoquent les renaissances. Mais en même temps, en zazen, si on prend conscience que cet ego a une existence relative, mais fondamentalement illusoire, il y a un détachement qui va se créer par rapport à cette identification à notre ego, et donc ce qui est la source du karma va se tarir. Oui, parce que c'est l'ego, on ne l'a pas précisé, qui est la source du karma. Oui. Hein? Oui, l'ego en tant qu'il est attachement à une certaine idée qu'on se fait de soi-même, de notre personnalité, de ce moi séparé du reste. Alors finalement, en prenant conscience de la nature illusoire de l'ego, on prend conscience de la nature aussi illusoire du karma. Ah, le karma n'est pas si illusoire que ça.
Il se manifeste dans le monde relatif dans lequel on vit, dans le monde des phénomènes, il a des effets. Dire que le karma est illusoire, c'est dangereux parce que ça pourrait vouloir dire que nos actions n'ont pas d'effet, que tout est vacuité. Et à cause de ça, il y a eu des gens qui ont détourné l'enseignement du bouddhisme, comme on peut détourner n'importe quel enseignement, et ont développé une espèce d'attitude irresponsable en disant que de toute façon, puisque la loi fondamentale est celle de la vacuité, nos paroles sont sans effet, et donc on est libre, on peut faire ce que l'on veut. Ce n'est pas du tout la vraie liberté, puisque le thème de notre émission, c'est la liberté. Ce n'est pas de faire n'importe quoi, c'est-à-dire d'être le jouet de ses passions et de son ego. Moi, je crois que la véritable liberté, c'est d'être de plus en plus lucide et conscient et d'agir, non pas d'être dans la non-action, mais d'agir de manière moins égoïste et d'agir de plus en plus en harmonie avec la véritable nature de notre existence, c'est-à-dire avec notre véritable nature de Bouddha. Donc en fait, le but de cette connaissance permet de se développer spirituellement. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on est sur cette terre pour apprendre à se développer et le karma est un excellent maître. Parce que le karma, et d'ailleurs le rôle du maître est souvent de nous pointer cette loi du karma. Le karma est un maître parce qu'il nous montre justement les effets de nos pensées, de nos paroles et de nos actions et donc il nous amène sur le chemin de la transformation. Alors finalement, nous ne pouvons pas échapper à notre karma, mais nous sommes fondamentalement libres de l'assumer ou de ne pas l'assumer. Oui, on ne peut pas échapper aux effets de son karma passé. Oui. Mais par contre, si on développe une pratique spirituelle, une pratique de méditation, à partir de la conscience que l'on prend de ce karma, non seulement on va pouvoir le transformer, mais on va pouvoir aboutir à une existence au-delà de tout karma, sous réserve d'une chose, c'est que la pratique de la méditation, la pratique du bouddhisme en général, nous fait prendre conscience de notre interdépendance et de notre solidarité avec tous les êtres. À partir de là, va se développer un esprit de compassion. Cet esprit de compassion va être la motivation d'un nouveau type d'action, de pensée et de parole, qui sont celles du bodhisattva, celles de l'être qui est complètement animé par cet amour des autres et cette compassion. Alors, on peut dire qu'il va créer un nouveau karma. Mais positif. Mais d'abord, c'est un karma positif. Et dans la mesure où ce sont des actions qui n'ont pas pour but d'en tirer un profit personnel, mais qui sont des actions totalement désintéressées, orientées uniquement vers le salut des autres, en fait, on peut dire qu'il s'agit d'actions qui ne produisent pas de karma. C'est-à-dire qu'on peut agir sans que ça soit producteur de karma. Merci, Roland. Merci. Alors, parmi les livres que nous vous proposons aujourd'hui, Zen et vie quotidienne de Maître Deshimaru, il est publié chez Albin Michel. Pratiquer le Zen de Pierre Crépon, il est publié chez Pocket. Éloge du silence de Marc de Smet est publié également chez Albin Michel. Chan, Zen, Racine et Floraison est publié par les Deux Océans. C'est un ensemble de textes exceptionnels sur les différents aspects du bouddhisme Zen. Et pour terminer, toujours aux Deux Océans, les entretiens de Huangpo. Huangpo était un maître Zen du 9e siècle. Avant de vous quitter, je vous rappelle notre adresse, UBF boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, CEDEX 16. Par ailleurs, le Minitel vous permettra de retrouver notre rubrique livre et vous pourrez ainsi retrouver aussi tous les renseignements sur le bouddhisme en France et voir comment vous procurer des cassettes de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très très belle journée à tous. À dimanche prochain.